Un élément sordide se trouve dans cette maison bourgeoise abandonnée depuis des années. En entrant, on remarque directement les tapisseries déchirées et les meubles poussiéreux. Des toiles d'araignée recouvrent les coins, donnant l'impression que quelque chose nous observe. On entend des bruits étranges comme des pas dans les couloirs ou des murmures étouffés dans les pièces sombres. En explorant la maison, on découvre une pièce un peu cachée dans laquelle on va trouver un détail sinistre. Un des anciens propriétaires était un chasseur et, dans l'espoir de garder son chien après sa mort, il l'a fait empailler. Cette maison bourgeoise abandonnée semble avoir été figée dans le temps, laissant l'imagination errer vers des histoires sombres et effrayantes. Bien qu'on ne connaisse pas la raison de son abandon, les documents remontent aux années 1800. On ressent une ambiance mystérieuse qui nous pousse à explorer les lieux attirés par l'inconnu.